Dans l'élan de la célébration de l'accession de la Guinée à l'indépendance, le gouvernement guinéen a initié des conférences débats à 100 km de Conakry, la préfecture de Forécaria. Ici, à la maison des jeunes, les femmes ont répondu massivement. Avec les spécialistes cooptés à cet effet, elles ont échangé autour des enjeux du développement de la Guinée. Les femmes de Forécaria sont très ravies et très contentes aujourd'hui parce que c'est pour la première fois à la veille de l'indépendance que les femmes viennent exposer ou bien faire un débat. Donc le débat, ça nous a plu à plus d'un titre. Même ferveur dans la ville Carrefour Mamou, issue de différentes corporations, les femmes se sont donné rendez-vous à la maison des jeunes pour développer les sujets touchants leur quotidien. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble est le thème de ce débat intergénérationnel entre les femmes de Mamou. L'initiative de ces conférences débats intergénérationnelles vise à réfléchir sur les efforts de développement de la Guinée mis en œuvre depuis 1958, tout en contemplant les implications de la prochaine phase de développement qui sera accélérée avec Simandou 2040. Dans le Sankara, les échanges intergénérationnels ont porté sur des opportunités du programme de développement intégré Simandou 2040. Face aux femmes, les panélistes ont développé les enjeux de ce projet au bénéfice de la femme guinéenne. Nous sommes là pour débattre avec vous le rôle des femmes guinéennes pour la préservation de la pratique culturelle et éducative. Les enjeux auxquels la région fait face à cette transition et parler aussi de comment le jeûne de Farana de 58 à 2024 entre tradition et modernité. À l'occasion de la célébration de l'an 66 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, avec le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur », la Guinéenne, un accent particulier est mis sur la femme guinéenne à travers des thématiques clés. Dans cette préfecture, les femmes ont échangé autour des enjeux de développement de la Guinée de 1958 vers 2040 et sur le rôle crucial joué par les femmes pour le développement attendu par les Guinéens. Donner le temps à une femme de se réjouir, avancer dans sa vie, ça a commencé au temps de Sékou. Sékou n'a jamais minimisé les femmes. Il n'a jamais fait tomber les femmes. Voyons le cas de Mbalia Kamara. À chaque 9 février, on fêtait ça. Madame Mafori Bangoura, Kamara Lofo, on a tout vécu ensemble. À partir du moment que le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a décidé que cette 66e anniversaire sera placé sous le thème « La Guinéenne », ou que la Guinéenne soit le fer de lance pour aller vers le projet Simandou 2040, je pense que cela suscite en moi un intérêt très particulier et une fierté. Ces conférences débats sur les échanges intergénérationnels offrent des opportunités aux panélistes de vulgariser auprès des populations le programme de développement intégré Simandou 2040.